Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la page 5 de l'album, sa confection. Donc comme vous voyez, le démarrage est toujours la même chose. On fait toujours notre première page de fond, voilà. Avec les... j'ai mis les plans de coupe au début de la vidéo, comme d'habitude. Là, il n'y en a pas beaucoup, puisque vous allez couper 14 fois. La même chose, puisque là nous allons faire deux cascades sur cette page, donc c'est une page qui est assez simple. Et je vous laisse regarder un petit peu et on se retrouve tout de suite. Donc la cascade, moi je la fais toujours dans le papier noir 210 grammes pour plus de solidité, puisque la cascade va être amenée à être beaucoup manipulée suivant comment vous allez regarder votre album, bien sûr. Mais donc c'est beaucoup mieux que de mettre un papier fin. Donc là vous allez couper donc ce morceau, moi je ne l'ai pas fait tout de suite. Vous allez couper 14 fois, je me répète, mais 14 fois le même morceau de papier. Et donc là, comme ça au début, vous voyez tout de suite, j'ai coupé déjà mes deux premiers carrés. Là, ce sera mes deux couvertures. C'est ça que j'ai oublié de mettre dans le plan de coupe. La première page qui sert de couverture à la cascade. Vous allez faire un pli à 2 cm et un deuxième à 3 mm à peu près, pour que nous ayons, puisqu'il va y avoir une épaisseur lorsqu'on aura fini de mettre la cascade. Donc la première page, vous faites deux plis. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, mais je vous redis maintenant. Et voyez, je me marque également en légende en dessous. Thank you.
là, je fais le pli, hein, un pli simple sur toutes les autres feuilles, donc uniquement à 2 cm du bord. Donc voilà, vous vous retrouvez donc avec cette page, enfin 7 morceaux pour, enfin 7 x 2, 14, voilà, excusez-moi. Et moi je fais donc sur les bords du bas, j'arrondis mes angles, comme vous savez, j'aime bien que ce soit arrondi au lieu que ça reste droit. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi bon, je le fais. C'est plus joli, je trouve. Là, maintenant je choisis mes papiers qui vont recouvrir chaque page de la cascade. Voilà. Donc je ne vais mettre que sur une face, sur la face du dessus. Si vous voulez en mettre des deux côtés, vous pouvez. Moi j'ai fait le choix d'en mettre que d'un côté, sauf pour la première page de la cascade, car il y aura l'aimant à cacher en dessous. Donc il n'y a que cette page là qui aura un verso de décoré également. Désolée, j'ai une voix de canard ce matin. Je me suis levée depuis pas longtemps et le matin la voix est pas top. Voilà, voilà. Alors pour le papier déco, au niveau des mesures, vous comptez 5 mm en moins de chaque côté. Donc en dessous du pli, hein, bien sûr. Donc ce qui fait que le papier cascade lui fait 11 cm, donc vous mettez 10 cm. Voilà, et sur les côtés, bah, c'est pareil, hein, vous enlevez 1 cm, ce qui vous laissera 5 mm de chaque côté. Et pareil, j'arrondis les bords du bas du papier déco pour refaire comme sur le papier noir. Là, comme d'habitude, je mets du double face pour, et vous verrez qu'après, par la suite, je vais utiliser de la colle parce que, bah, comme je n'ai pas ma voiture en ce moment, j'ai peur de tomber en panne de double face et je voulais le garder plus pour fixer la page une fois terminée parce que là, bah, pour l'instant, je peux pas aller acheter du double face donc. Après je mets de la colle, vous verrez que sur le premier et le deuxième je crois, je n'ai pas étiré ma colle au pinceau comme je vais faire après. Et du coup c'est pas tellement net, mais on en reparle tout de suite après. Thank you.
Voilà, sur le premier, vous ne l'avez pas vu, mais donc je vous le montre sur le deuxième. Je fixe l'aimant sur la première page de la cascade qui se trouve en haut. Donc je mets un aimant sur l'arrière, voilà, donc à peu près à 1,5 cm du bord, et bien sûr je le fixe au milieu. Voilà, et je vais le recouvrir donc avec un papier déco pour pas qu'on le voit. Donc comme d'habitude, vous voyez, je fixe avec des doubles faces. Et voilà, c'est là que je vais commencer à fixer donc avec la colle les papiers. Donc celui-là, ça a été, c'est après le suivant, je crois que ça a du mal à tenir. Voilà. Là, j'ai pas étiré ma colle au pinceau, du coup, ça fait un petit peu des. Comment on va dire ? On voit à travers la colle, voilà, les pieds, les morceaux de colle. J'arrive pas, j'ai du mal à m'expliquer, désolé. Voilà, et là j'ai étiré ma colle donc avec le pinceau, ce qui va beaucoup mieux, c'est ce qu'il faut faire. Donc faites pas comme j'ai fait au début. il faut étirer votre colle. Donc j'ai utilisé un pinceau à colle pour le serviettage. Comme ça, ça va très bien pour le faire. Voilà, la découpe et la décoration des 14 pages de cascade est terminée. Donc après, on va passer à la partie faire toutes les fentes dans le papier déco pour pouvoir fixer donc ces pages. Donc là, vous allez faire au crayon gris hein, sur votre feuille, comme ça après vous pourrez gommer. Alors vous allez compter 1,5 cm de chaque côté, voilà. En haut et en bas, vous allez avoir également 1,5 cm. Et donc vous allez tirer les traits pour faire votre cadre, pour pouvoir bien fixer droit votre cascade. Voilà. Donc en haut, vous voyez, je compte 1,5 cm.
je t'ai montré également. Et là, je compte le milieu, voilà. Et il y aura de chaque côté, pour le milieu, pareil, 1,5 cm entre les deux cascades. Je vous laisse regarder les traits. Alors, pour faire les traits, pour faire les fentes qui vont accueillir donc les pages de la cascade, il y aura un écart entre chacune de 1 cm. Là, je regomme parce que j'avais essayé de faire à 1,5 cm aussi les écarts, comme je fais d'habitude, mais c'était beaucoup trop juste. Donc, je refais avec 1 cm. Voilà, je tire mes traits donc au crayon, pour marquer les endroits où je vais devoir fendre avec mon cutter, mon scalpel. Qu'à couper les fentes donc sur notre papier pour y faire y fixer donc notre cascade comme cela. Donc faites attention de ne pas couper plus que la dimension. Hein. De toute façon les cascades font 12 cm de large si je ne me trompe pas. Donc votre trait fait 12 cm. Donc je fais la même chose pour le deuxième côté et là vous voyez il y a Fifi qui vient me donner un petit coup de main pour m'aider. J'ai oublié de vous dire, donc en tout, vous faites 7 fentes de chaque côté, donc 14 fentes pour mettre les 14 pages de la cascade. Donc pour fixer les pages de cascade, vous commencez par le bas, hein, pour finir par la couverture de la cascade en haut. Vous devez toujours commencer par le bas, comme ça vous voyez mieux votre travail et puis vous êtes moins gêné avec les autres pages. Donc là je mets du double face sur les 2 cm de pli que l'on a fait et qui se retrouvent donc à l'arrière de la feuille.
bien attention que vous êtes toujours bien droite et que vous êtes toujours dans l'alignement des traits que vous avez fait au crayon sur votre page. J'ai un petit peu galéré avec la page de couverture puisqu'il y a le deuxième pli
Donc bien faire attention que donc les deux plis soient sur le dessus, hein, qu'ils ne soient pas en dessous, pour, puisque c'est pour l'épaisseur de la cascade. Voilà, donc la première cascade est finie, on va attaquer la deuxième. Avec en fixant à la colle, ça gondole un peu le papier. Donc moi, ce que j'ai fait après, pour que ça reprenne sa forme initiale, j'ai laissé une nuit entre deux dictionnaires, comme ça bah, les pages ont repris leur forme plate. Thank you.
mes deux cascades sont fixées. Maintenant, je vais faire les... comment on appelle ça, la languette, voilà, pour tenir fermée donc cette cascade. Donc mes languettes vont, alors vous voyez avec vous, bon là mes mesures sont peut-être pas exactes par rapport à vous, suivant où vous avez mis votre aimant. Moi j'ai fait 13 cm en tout, et donc il y a deux bons centimètres qui reviennent en dessous. Donc c'est sur 4 cm de largeur. Et là pareil, je vais faire un double pli puisqu'il y a de l'épaisseur. Donc entre les deux plis, il y a à peu près 3 mm. Et bien sûr, je vais fixer un aimant donc sur chaque languette pour que ça puisse bien fermer. Et là, j'ai mon aide qui arrive, Fifi, qui me soutient toujours dans mon travail. Bon, là, vous ne voyez que ses fesses, hein, désolé. Donc je fais des coins ronds, hein, comme d'habitude, donc sur le haut de la languette, celle que l'on va voir par-dessus. Et donc je cherche ce que je vais mettre, si je mets du ruban, du papier, tout ça. Malheureusement, ce ruban-là était trop large. Donc je vais mettre du papier déco et du washing tape.
Là, bien sûr, on met du papier déco que sur la partie visible de la languette, hein, puisque le bas sera en dessous de la feuille déco, donc ça sert à rien de mettre du papier déco. Donc là, la fente est faite à peu près à même pas 5 mm du bord de la dernière cascade. Donc on la fixe bien au milieu, bien sûr, et on fait une fente de 4 cm pour que la fente rentre dedans. Voilà, et on fixe derrière sur une double face. Donc moi, je mets double face et je mets de la colle, voilà, pour être sûr. On fait ça pour les deux languettes. Pardon. Donc là, je vais fixer mon aimant. Donc, on pose votre aimant sur celui qui est déjà mis sur la première page. Je vais faire une marque avec mon Posca blanc pour savoir où fixer mon aimant sur la languette. Thank you.
Et là, bien sûr, je remets un papier déco donc sur l'intérieur de la languette pour qu'on puisse cacher les membres. Donc, c'est toujours pareil, vous vérifiez hein, par rapport à votre languette la dimension. Et là, comme d'habitude, j'arrondis les angles sur le dessus. Voilà, et on refait la même chose donc sur la deuxième languette. Un papier déco au-dessus, un aimant en dessous, un papier déco, voilà, et washing tape au-dessus. Là, c'est exactement la même chose. Et là, il y a une petite coupure. donc là, c'est le lendemain, il était tard, j'en pouvais plus. Donc j'ai repris la fin de cette page donc le lendemain. Voilà, les cascades sont terminées. Maintenant, il va nous rester à
fixer donc cette page sur la feuille noire de fond, voilà, qui nous sert de base. Vous voyez là, les pages ont déjà été un peu plus aplaties après avoir passé une nuit entre deux dictionnaires. Donc maintenant, comme pour les autres pages, on va mettre le maximum de double face derrière pour une bonne tenue sur la page support. Thank you.
Là, il ne nous reste plus qu'à fixer notre page faite sur notre feuille noire de fond. Voilà, donc on appuie bien partout pour que ce soit bien fixé. Et là, si vous avez mis bien du double face derrière, il n'y a pas de problème, ça ne doit pas bouger. Donc maintenant, j'en profite donc pour gommer tous mes traits de crayon. Bon, j'aurais pu le faire un peu avant, c'est vrai. Là, je le fais à la fin. Donc, c'est pareil, quand vous faites avec le crayon, n'appuyez pas trop fort hein, pour pas qu'il y ait trop de traces. Et donc, si je ne sais pas si je vais rajouter des décorations sur cette page-là, je verrai par la suite, à la fin de la conception de l'album. Parce que bon, là déjà, avec les deux cascades, c'est déjà bien chargé. Donc, je ne sais pas, je pense pas que je remettrai de la déco dessus. On verra à ce moment-là. Donc voilà, là on va arriver à la fin donc de cette page 5. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que si vous le faites, que vous n'avez pas eu de difficultés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, vous me les laissez en barre en dessous. Voilà. Et bon, j'y répondrai avec plaisir, bien sûr. Bon, là, c'est une page qui n'avait pas de piège, hein, qui n'était pas compliquée. Et donc, vous pouvez mettre, du coup, sur cette page 14 photos. Voilà. Bon, si vous voulez en mettre une de chaque côté, ben, ça vous en fait 28, mais ça ferait beaucoup trop, je pense. Donc, 14 photos sur cette page. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Hein. Je vais vous embrasser très, 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 très fort. Et je vais vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles aventures et pour la prochaine page, la page numéro 6. Je vous laisse. À très bientôt. Bye, bye. Bisous à tous. Thank you.